Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabila qui est très heureuse mais aussi très émue de fêter les 1 an de son fils Milan aujourd'hui. Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc il est 8h, j'attends que mon fils il se réveille pour lui souhaiter son bon anniversaire. Donc voilà, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais trop stressée. Déjà je me suis refait mon accouchement 10 fois quand je l'ai vu pour la première fois, quand j'ai entendu sa voix, quand je l'ai serré contre moi. Bon, j'ai promis aujourd'hui que je ne pleurerai pas, genre j'ai promis à Thomas, donc je ne pleurerai pas, mais voilà, j'ai pas arrêté de repenser à plein de choses. Je me dis que c'est passé trop vite, il a 1 an, il marche, il dit maman, il dit papa, c'est la folie, et il nous donne tellement de bonheur, ce petit nous, il nous donne tellement de bonheur, c'est un truc de fou. Donc voilà, je remercie Dieu, je remercie tout le monde. Je suis trop heureuse aujourd'hui. C'est son anniversaire, mais c'est aussi le mien parce qu'il a changé ma vie complètement. Donc voilà, petit programme. Donc j'ai pas dormi. J'ai aussi checké que tout soit en ordre pour son anniversaire parce que je veux que ce soit magique. Voilà, bon, on a fait au mieux parce qu'après il y a les règles et tout ça. Mais voilà, j'ai appelé tout le monde depuis ce matin. Enfin, j'ai mes assistantes et tout qui sont là aussi pour m'aider. Mais c'est l'anniversaire de mon fils, donc assistante ou pas, je veux faire les trucs moi-même. Je veux que tout soit en ordre. Donc voilà, normalement ça va être cool. Il y a les invités qui sont arrivés. Je suis tellement heureuse, non mais vraiment. Et voilà, et ça va être une journée magique aujourd'hui. J'espère que ça va lui plaire, la petite surprise qu'on lui a préparée. Je vous ai dit que j'allais pas pleurer, hein, croyez pas. Et du coup voilà, donc je vais me faire un peu jolie, je vais me préparer, j'ai encore quelques petites choses à acheter, et puis on y va, hein. Voilà.